Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing de chez Ses Plus Beaux Atours. Oh là là, oui, j'ai encore craqué. C'est une catastrophe. Sans commentaire. Voilà, sans commentaire. Non, je me dis, ouais, bon, j'ai craqué. Mais c'était un peu par inadvertance. Enfin, par pur hasard. Voilà, je vais pas dire par inadvertance parce que j'ai pas fait. Oups, j'ai glissé, j'ai acheté un truc sans le faire exprès. Non, c'est pas possible ça. Enfin, je crois pas que ce soit possible. Mais non, c'est un peu par hasard. C'est juste que je me baladais sur Facebook et là, je vois une photo donc des stylés de Ses Plus Beaux Atours. Qui venait d'être publié, et c'était noté dans 3 heures, ils seront disponibles. Et là, j'en vois un, mais sublime! Et je fais. Mais il est trop beau celui-là, j'en avais encore pas vu des comme ça. Puis là, je dis, ouais, mais. J'ai là, c'est pas. Vous savez, d'habitude, on peut mettre la référence, puis on est tiré au sort et tout. Et j'ai là, faut être dans 3 heures, faut que je sois sur Etsy. Dans 3 heures, ce sera genre 19 heures, je serai jamais. Enfin voilà quoi. Bref, je continue ma journée tranquille, tu vois. Puis le soir, voilà, j'étais en train de naviguer et je retombe sur cette photo et je vois cette en ligne publiée il y a 1 minute. Je fais ah bon, ah bah oui. Et là, j'ai pas réfléchi. J'ai cliqué sur le lien, j'ai regardé la référence qui me plaisait. J'ai cliqué sur le lien, je suis allée sur le lien, j'ai rentré vite ma carte bleue, vite, dépêche-toi et vas-y que je voilà et oh bah j'ai commandé. Ben voilà. Franchement, voilà, c'était pas fait exprès parce que je me suis dit jamais je serai à l'heure pile poil, c'est pas possible. Je sais pas, je sais déjà pas ce que je vais prévoir dans 1 heure, donc là il fallait que j'attende genre 3 heures. Non, je me suis dit je pourrais très bien être, je sais pas, en train de faire des courses. Non, je fais pas des courses. Non, mais je sais pas, ou chez une copine, ou je sais pas, boire un coup quelque part. Enfin voilà, donc. Et puis bah non, en fait j'étais là au bon moment. Donc, j'ai reçu ce bien durement acheté. Et donc on va découvrir ensemble à quoi ressemble du coup, bah vous savez pas, c'est sans surprise, hein, vous savez que quand je commande là-bas c'est des stylés, hein, donc qui sont plutôt stylés en plus. Donc du coup on découvre le truc. Voilà, la meuf elle a parlé pendant 2 minutes 30 et elle a dit à peu près 40 conneries. Oh mon dieu. Ces cheveux qui m'agacent. Alors, on a déjà eu le petit coat, le bel petit coat. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? J'ai mon chat qui est couché sur l'arbre à chat, qui était comme ça, bien sûr qu'elle a fait. Voilà, elle est complètement cinglée. Je crois que c'est moi qui leur tape sur le système. Elles deviennent tarées les trucs. Bref. Oh, je sens qu'il va être magnifique. Oui. C'est une catastrophe. Oh, regardez, déjà, on voit le bout. On voit le bout. Attendez, on découvre. Oh, on va déjà regarder cette couleur là. Allez ça, juste ça déjà. Ouh. Ah, c'est ça que j'ai adoré, c'est le fait qu'il était complètement transparent. Regardez ça. Non mais regardez cette beauté, c'est un truc de ouf, il est trop beau quoi. Oh, je suis trop contente, regardez ça. Oh là là. Oh, il est sublime. Ça va être mon nouveau stylet préféré, je crois. Oui, j'ai beaucoup de stylets préférés. Oui, bah, j'en ai 4, hein, les 4 de chez Nicolas, enfin de chez Ses Plus Beaux Atours. Et je pense que ça ne sera pas les derniers, voilà. Non, mais ils sont trop beaux, quoi. C'est... J'essaie de vous montrer un peu plus près, des étoiles. ce que ça donne. Mais voilà, et ce côté transparent, j'ai trouvé ça génial, en fait. Avec la matière bois, un peu, là. Enfin, c'est même pas un peu, c'est du bois, en fait. C'est trop beau, quoi. Oh, je sais pas comment il fait ça, c'est... C'est trop cool, quoi. Non, mais je suis trop fan. Donc voilà, bon bah écoutez, vous avez vu donc le résultat. Donc voilà, il est magnifique. Je mettrai une magnifique photo sur Instagram. Ouais, franchement, ça mérite tellement.
ce travail est tellement beau, je suis fan. Voilà, je suis très très fan. Bon, j'espère que vous aussi, en tout cas si vous n'avez encore pas testé, mais que vous avez envie, moi je vous dis, guettez les enfants, guettez, parce que vraiment ils valent le coup, c'est stylé, je suis trop amoureuse quoi. Voilà, bon, j'ai rien de plus à rajouter, à part que, encore une fois, une commande parfaite. Un jour j'aimerais bien tester les Jumbo. Alors les Jumbo, c'est pas le même prix, je crois que c'est 45 euros. Ils sont vachement plus gros. Alors après, j'ai peur que ça soit trop gros pour moi. Si on fait un élément comparatif, tac, juste là, comme ça, histoire de, en petit plus. Alors c'est lequel? Je sors tous mes stylés. J'ai tellement de bordel là-dedans. Voilà. Ça, rappelez-vous, c'est le premier que j'avais commandé, le rose. Il m'émue, complètement. Enfin, il m'émeut. Oui, non, pas la cousine de l'autruche. Le mot émeut, voilà, qui, enfin l'émotion, hein. C'est pas un volatile. Voilà, il m'émeut complètement. Regardez, magnifique. Bref. Donc, rappelez-vous, c'était le premier que j'avais commandé. Et là, c'était le deuxième. Si on regarde, donc c'est le même type de stylet, mais il est un tout petit peu plus gros, le jaune là. Donc celui-là, pour moi, il a une prise en main parfaite. Je trouve que vraiment, je suis trop bien. Quand je diamante avec celui-là, bah pour l'instant, c'est celui que j'utilise le plus, pour tout vous dire. J'aime beaucoup. Celui-là, bah, je suis en train de faire une toile avec celui-ci actuellement. Et il est un petit peu plus gros et je me sens un peu moins à l'aise. Donc j'ai peur qu'avec un jumbo, je sois trop... Enfin voilà, parce que les jumbos, ils sont costauds quand même. Donc je sais pas si j'arriverai à l'utiliser correctement. Mais j'ai tellement envie d'essayer. Bon bref, on verra. On verra les enfants, voilà. Bon, j'espère que ce court unboxing vous a plu et ben, vous a donné envie tout simplement d'en acheter aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. On verra. Moi, clairement, ça sera pas mes premiers, ça sera pas mes derniers. Il va y en avoir plein d'autres. Non, calme-toi. Là, j'ai le portefeuille. Portefeuille qui est là. Excusez-moi. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Voilà, il a le droit de donner son avis, mais moi j'ai le droit de l'ignorer complètement, hein, donc voilà. Bon, sur ce, mes petites licornes, je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas les paroles. Non, c'est... N'oubliez pas mes autres réseaux sociaux, parce que je savais plus ce que je voulais dire, il fallait que je comble. Mes autres réseaux sociaux, donc Instagram, ma page Facebook, mon groupe Facebook, et mon TikTok aussi. Le TikTok, voilà, je mets plein de choses, il n'y a pas que du diamant painting, il y a plein d'autres choses, mais n'hésitez pas à venir faire un petit tour, ça me fait grave plaisir. D'autant plus que j'ai commencé un petit peu les lives il y a quelques temps. Donc voilà, ça serait cool que j'ai plus de monde avec qui papoter pendant ces moments de partage. Et voilà, bon, en attendant, je vous fais des gros bisous arc-en-ciel et je vous dis à très très vite mes petites licornes. Bisous, bisous, bisous.